Au-delà de l'horizon, une exposition qui s'incline sur deux partitions. Le coup de cœur et le cri du cœur. La sociétaire de l'Union des peintres et sculpteurs de Turquie, Madame Asgul Ozolnan Poroy, témoigne à travers ses peintures à l'acrylique de l'une des tragédies les plus épouvantables de ce 21e siècle. Dans mes peintures, on ne voit ni les lieux, ni les figures des émigrants. C'est l'un des problèmes majeurs de notre siècle. À cause de la présence de femmes et d'enfants, j'ai été sensible à ce sujet en tant que femme artiste. Je suis coloriste et j'explique mes sujets avec la couleur. Mes thèmes sont assez complexes, c'est pour cela que j'utilise les couleurs vives, parce qu'il ne faut jamais perdre espoir. Alger, sa lumière et ses couleurs ont inspiré une artiste peintre académicienne, lauréate du prix Best Slip Painting. Une palette riche, offrant des compositions et des formes des plus contrastées. Et quand je suis arrivée en Algérie pour la première fois, j'étais très fascinée par la beauté d'Alger, des couleurs et des lumières. Je me suis mise à peindre. C'est un travail qui m'a pris 3 ans, 33 œuvres en acrylique, des œuvres évoquant la lumière et la beauté d'Alger. La salle d'exposition Béchir Gilles du Musée national des Beaux-Arts a vécu le temps d'un vernissage au rythme d'une peinture vénérant une Méditerranée millénaire, celle du partage et de la paix.